Regarde Booster, je fouette le cul de Wassim. Mmh. Ça le fait tellement. Oh, oh, oh. Il a le cul rouge de la tête, genre. Oh, il kiffe en plus en tirer, putain. Oh ouais, vas-y, continue, fais plus fort, fais plus fort. Je l'ai cassé son cul. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Death Run spécial Mario. Je suis en compagnie de Studio Coco, de Ganguinou, c'est son retour, et de Blackbird. Comment vous allez, les gars? Ouais, ça va. Il faut être le cul de Wassim, putain, mais... C'est une orgie de Wassim, il y en a un qui est empalé, il y en a un autre qui fait du breakdance et l'autre qui... Le vrai Wassim n'est pas là, du coup on en a mis trois pour compenser. Niche. Oh, je vais casser le cul. Tu as cassé le dos, putain, mec. Ah, c'est bon, c'est bien là. Attends. Non, vas-y, je me remue. Remue-toi, vas-y, oui. Oh. J'en ai trop fort, genre. Tiens, vas-y. Niche. Très très marrant ça. Comment avoir eu l'idée de faire ça, putain? Je sais pas. Non mais moi ça me tue, genre il a vu ça, il s'est dit oh c'est un pont, il faut que je rampe en dessous, genre. Oh. Mais dégage, putain, dégage. Pardon. Comment ça s'appelle déjà ce jeu? C'est la lambada, la lumba. Oh. Il est passé en dessous de Wassim. Blackbird, à ton tour. Oh. Je suis bloqué. Ah, il est bloqué, c'est un perdu. Ah non, il est passé, il est passé. Incroyable revirement de situation. Ouais. Oula, arrêtez. Oh, why. Orgie de Wassim. Ouais, des Wassim partout. Putain, y'en a trop là, les gars, arrêtez là. Y'en a qui volent même. Venez, on les crame. C'est quoi ça? Oh, what? What the fuck? What? Il a trouvé un passage secret, c'est... Oh, c'est le trésor. Le trésor. Merde. Oh, le il est tombé. C'est la quête de toute sa vie. Y'a quelqu'un là-dedans? Merde. Merde, oh non, le trésor! Il a détruit le trésor, bordel! C'est toi qui vas activer les pièges pour la peine! Le Death Run commence dans 3, 2, 1, go! Oh! What? Booster, t'as vu ou pas? Mais je savais pas qu'il y avait un piège là, moi! Le pont du cochon! Oh! Bah alors, tu nages pas, leur requin? Je suis avec ma maman! Attends, bouge ton cul, toi! D'accord. C'est une grosse fois. C'est une grosse forêt devant nous. Qui va s'y aventurer en premier? Je suis un ninja. Blackbird, dis-moi comment t'as fait pour passer, gros. J'ai besoin d'aide. Et tiens, c'est pas moi. Oh, les bâtards. Putain. Ganguinou. Bah, vu que t'es le dernier, en fait, c'est un peu sûr que ça va péter, quoi. Ah. Oh, Gogo. Il est passé où? Il a volé là-bas de l'autre côté, je l'ai vu. Comment ça a pu me tuer aussi, quoi? J'étais derrière ma vitre de plexiglas tranquillement. Ah, t'es mort toi aussi? Là, on va dire que c'est un piège plutôt classique. Ok les gars, pour l'instant, tout va bien. Il s'est fait lever en l'air. Il est vraiment tombé pile poil au bon endroit après en plus. À présent, tout va mal. Bon bah, la voie est libre maintenant, y'a plus qu'à gérer les jumps. Jumping. Merde, j'ai activé le prochain piège, putain. C'est pas vrai, c'est une menteur. T'as essayé là, de genre, on le savait, on le voit très bien, y'a des gros missiles qui vont exploser là, on est pas con. Bon Coco, vas-y viens là, j'ai pas envie que tu le loupes celui-là. Bon. Mais encore, mec, Fred. Come on. À chaque Death Run, il le fait. À chaque Death Run. Pour cette épreuve, regardez, parce que j'ai le pouvoir, les gars, d'arrêter les missiles. Canonnier. Voilà, je vous l'avais dit, les gars, j'ai le pouvoir, voilà. Feu. Oh. Bah lui, il a pas le pouvoir, hein. Va falloir tu vas l'acheter à Carrefour, le pouvoir. Le diamètre, on dirait le trou du cul de Kong Skull Island, carrément. De Wassim, plutôt. Maintenant, vous allez devoir atteindre le château de la princesse Peach. L'introduction de ce piège était bien trop stylée pour que je ne réussisse pas. Break the lock to open. What the fuck? Je peux pas ouvrir, les gars. Oh. C'était quoi cette merde, putain? Ça va, Booster? Non, ça va. Aïe, mais tu crois que c'est comme ça que tu vas m'aider, connard? T'es sûr que ça va? Hé, hey, réveille-toi. Il est envahissant, le connard. Nous sommes donc entrés dans le château, les copains. Et du coup, maintenant, pourquoi tu recules, toi? Parce que j'ai peur, j'appréhende un peu cet endroit. Parce que je sais qu'ici, nous sommes... Il n'y a pas de fin de phrase. La fin de la phrase de Coco dans le prochain épisode. Blackbird, tu vois en bas c'est de l'eau, du coup t'es un requin, du coup t'y vas. Cherche pas de discussion. Ok. Il atterrit dans l'autre bassin, il est dans l'autre bassin. Ah, oh, je lui ai tellement pas laissé le time carrément. Bon, regardez à quel point je le fais avec facilité. Hop là. Ok. Hop là. Ok. Bravo. Oh bah toi t'as encore perdu. Mais j'ai pris le mur. Allez vas-y avancez là, faut que ça s'enchaîne. On est dans le Death Run ou pas, la merde. Ah. Oh il est mort. Vas-y. J'en ai marre. Ah.
Coco, il a fait un rire de gorge. Tu peux me ramener avec une canne à pêche? Non. Il y a un coco qui t'a atterri sur la tête. Oui, il m'a bousculé. Merci, Coco. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lâche ou pas? Dites en commentaire. Dites en commentaire. Est-ce que je lâche Blackbird ou pas à ce moment-là? 3, 2, 1, décision. Et parce que je les connais bien, je sais qu'ils voudraient que je le lâche. Ouais! Dites en commentaire si vous avez choisi qu'il le lâche ou qu'il le sauve. Si vous avez commenté, dites-le en commentaire si vous avez commenté. T'es sûr? J'étais en Russie, on m'a appris plein de choses. Dans ces choses-là, il y a eu notamment des trucs qui me permettent de savoir comment esquiver les pièges. Ok, moi j'étais en Russie l'année dernière et j'ai appris quelques mots. Notamment, Kramtron Kamboy. Moi j'ai été au cirque l'année dernière et on m'a donné un vélo. Si je puis me permettre, il y avait pas de piège les gars. Ah merde. C'était une blague. C'est sûr. Alors là, félicitations activeur de piège. Ouais, vraiment là l'activeur de piège il a assuré. Bon, ouais, alors c'est moi, problème. Salut, je m'appelle Bébert, je suis de l'autre côté. Bah voilà, un grand merci à tous. Voilà, c'était moi. Donc j'y retourne. Au revoir Bébert. Attends Coco, fais-moi un radeau s'il te plaît. Un radeau, il va faire le choix. Attends, vas-y, attends. Oui. Personne ne triche dans mon œuvre. Alors reva tout de suite sur le parcours, sinon je te détruis. Je retourne voir ma maman. Bon, si c'est pour la daronne alors, si c'est pour la ronda, tu peux y aller. Mais fais-moi radonner là, putain. Vas-y, lâche-le, grave. J'ai pas compris le dénouement de ce truc là. Bon, attends, là, j'espère au moins qu'elle est bonne. Oh non, c'est Suicide Squad ici ou quoi? Du coup, ici, il y avait un piège là. Mais je l'ai pas activé, ouais. C'est qui l'a activé? Bah si. Bah avec l'explosion ça l'a activé. Ah merde. J'appréhende énormément ce pont. Il m'a l'air pas très très serein. Venez les gars. Ouais, et on pourrait même croire que... What the fuck? Oh, certainement pas mon petit. Mais non, mais il y a une Porsche Cayenne. C'est pas la première fois qu'on la voit dans les vidéos, elle est relou. Une Porsche Cayenne. C'est ma Porsche Cayenne. Oh Fred, putain. Alfred, putain. Alfred. Bonne chance. J'ai rien fait, putain. Genre, au moment où on le voit plus, c'est là qu'il crève, quoi, mais... Putain. J'ai rien fait. Que s'est-il passé derrière ce mur? Le mec, il va derrière le pilier, il meurt en douceur. Je vous dirai pas ce qui s'est passé, hein, parce que vraiment, il y a eu un truc hardcore. Oh, c'est facile, hein. Il est vraiment très lent, en plus, donc... Non, il a changé de sens, il l'a activé, l'enculé. Oh, l'enculé. Oh, bonjour, les gars. Ouais, bonjour. Pas cool ça les gars. Bon ok, c'est moi qui me fais baiser hein, c'est bon, c'est dit, c'est fait. Chaga. Non, c'est le moulin. Regardez le moulin là-bas. Espèce de connard de moulin, tu l'emporteras pas au paradis. Venez là, j'ai trouvé. Et le portail spatio-temporel, le gros tube. Hop. Oh, on a atterri dans une nouvelle pièce avec une marche en Blackbird normal. T'as pas vu, mais tu marchais dessus. T'es sur moi et t'as même pas réagi, genre. Genre, il est déjà en train de crever, lui, là, pareil. Il marche encore sur sa tête, ça va tuer, putain. Ça revient sur ma tête. Vous êtes prêts? 3, 2, oh. Oh putain. Oh Blackbird, il y a de la lave. Il y a de la lave. Ah, la lave carrée, quoi. Oh. Oh, la lave de Minecraft, quoi. Grave. Go, come on, go. Yeah, motherfucker. Aïe. Putain, non, enculé. Oh, je suis en position levrette. C'est la spécialité de cette épreuve. La levrette? Oui. Ah, t'es où Blackbird? Là. Salut, putain. Salut. Recule un petit peu, vas-y. Oh, je suis nié, qu'est-ce que je suis con. Oh là là. Oh. Oh. Non. Oh, ils t'ont mêlé par l'esprit. J'étais des bouts. La gueule. Il était pas mal celui-là aussi. Après toi. Eh, hey, du slimes. S'il y a que moi pour réussir à passer cette épreuve du slimes. Et non. Oh, presque, putain. Booster, est-ce que t'es prêt à voir un athlète requin en action? Oh. Violence. Putain. Oh bah c'est mort pour toi. Bâtard, PD va dans le piège. Oh le bâtard. Oh. Merde, il était trop congelé, ça va pas marcher. Eh, c'est puni par la loi la maltraitance animale. Hein. Oh le toboggan, ouais, vas-y, je vais faire du toboggan. Wouhou. Vas-y, Coco. Boosters, rejoins-nous. Oh, bah là, salut Blackbird, t'es rendu là toi? Salut. Alors, salut tout le monde, c'est Ernesto 2.0, je suis sur fond vert. Alors, c'est à dire que intrinsèquement, je pense que.
Booster, tu peux me décongeler, s'il te plaît? Non, toi, tu restes ici dans le sable pour toujours. Je suis dans un sable mouvant, à l'aide. On fait deux équipes, il y a deux parcours, c'est les deux mêmes. Pour finir, eh ben, on va essayer de savoir c'est qui les meilleurs en parcours entre deux personnes d'ici. Bon, il y a un 3 vs 1, mais quelqu'un va aller avec Blackbird, il va être gentil quand même. Let's go. Oh, ok. Doucement, Blackbird, prends ton temps. Ah non, mais non, déjà dès le début. Je suis rendu aux petits escaliers. Hop là. Oh putain, c'est très chaud. Mais c'est d'un très gros level ce qu'on est en train de faire, non? Ah, c'est la merde. Coco, je l'ai vu respawn, il s'en va vite là. Il va tellement faire semblant d'avoir tout réussi. Un buff qui fait un toboggan et un buff qui tombe dans un petit truc. Gankino, j'arrive. Je suis à la fin. Go. Je vais gagner. Ah putain. Ah, vite. Les speed boost. Oui. Et c'est la fin. J'ai réussi. Ouais. Oh, ils sont pas encore arrivés. Et nous, on a gagné. Eh, c'est nous qui avons gagné. Tu vas pas me la faire à moi, ok? Ok, bon, toi, tu cherches un peu trop la merde à mon goût. Va y avoir quelque grenade dans ton enclos. Ouais, grenade. Mais ça marche pas, ça race là! Non, y'a un mur en fait! Moi, je vais t'en mettre des murs, moi! Je vais t'en mettre des murs! Et c'est donc la fin de ce Death Run spécial Mario! C'est fini! Finish! Vous captez le truc! J'espère que vous avez kiffé! Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le like! Oh, la grenade! Qui fait plaisir! Oh, arrête! Partagez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour notre... Il pleut des voitures. Pour notre part, ce sera tout. On vous remercie, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Au revoir.